Allô, c'est la Mac Datang sur la chaîne Will Master Reaction. Comme vous venez de l'entendre, on va se diriger en Indonésie et on va retrouver notre guitariste de génie que j'ai nommé Alip Bata. On se retrouve tout de suite après le générique. À tout de suite. Comme je vous le disais avant le générique, on va se retrouver avec Alip Bata qui va nous interpréter, j'utilise toujours le terme parce que c'est tout à fait le cas. Moi, c'est un groupe, c'est mon premier groupe que j'ai vu en concert et qui s'appelle Guns N' Roses. Et il va nous interpréter non, Sweet Child O' Mine, pardon. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Alip Bata, n'hésitez pas, en haut à droite, je vais vous mettre une petite fiche avec la playlist des titres sur ma chaîne. Et n'hésitez pas à descendre en cas où ça soit bloqué, mais ça m'étonnerait. Le premier lien, c'est le lien de la vidéo sur laquelle je vais réagir. Sinon, on va y aller tranquillement. Mais n'hésitez pas, hein, franchement, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur les autres vidéos de ma chaîne. Franchement, si vous voulez que la chaîne pousse encore plus, il faudrait que tous les gens aillent voir les titres sur ma chaîne. Après, il y en a que ça ne plaît pas forcément. Céline, je vais citer des exemples. Céline, il y a des titres qui lui plaisent pas forcément, mais elle va quand même les voir, mettre son commentaire, ça permet de développer la chaîne. Donc, pour le référencement, n'hésitez pas, mettez un pouce si vous aimez. Mettez un pouce, mettez un commentaire, ça booste la chaîne. Donc n'hésitez pas à y aller. Et là, on est parti avec Alip Bata qui va nous coveriser Sweet Child O' Mine. Allez, à tout de suite.
Bravo à monsieur Alip Bata. Ah. Bravo à monsieur Alip Bata pour cette superbe cover. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé. Et comme je vous ai dit avant, pour le référencement, ça booste la chaîne. C'est super intéressant. Donc franchement, je vais plus développer sur les récurrents. Parce qu'il va devenir un récurrent. Hein. Franchement, on va pas s'étendre sur ça, mais très bon guitariste, très bonne reprise. Alors après, il y en a plein, ils vont dire oui, mais pourquoi vous vous extasiez? Parce qu'il est quand même très doué. Essayez de jouer sur le haut de la guitare. J'ai des doutes, il y en a beaucoup qui le feraient pas. Hein. Enfin, je suis pas guitariste, donc je ne sais pas. Mais franchement, c'est un excellent guitariste, on va pas le dire à chaque fois, mais franchement, c'était une très très bonne reprise, donc on va pas durer très longtemps là-dessus. Franchement, merci monsieur Alip Bata, qu'on va revoir un petit peu plus souvent, parce qu'on va vraiment essayer de booster la chaîne pour qu'on défonce tout. Donc voilà, et on se retrouve demain pour les deux prochaines vidéos. Demain, il n'y a pas d'anniversaire. Donc voilà, demain, on se retrouve pour les deux prochaines vidéos. Prenez soin de vous surtout. Prenez soin de votre famille. Prenez soin de vos proches. Prenez soin de tous ceux que vous pouvez aimer. Et on se retrouve demain. Merci au plus de... Merci à mes abonnés. Voilà, merci à tous mes abonnés. Et ceux qui passent... parce que je vois beaucoup de gens, et c'est dans les statistiques, hein, c'est tout bête, hein, je le répéterai lors de ma vidéo des 18 000, je vous remercierai, mais il y a beaucoup de gens qui viennent tout le temps sur ma chaîne, tout le temps, mais qui ne s'abonnent pas, ça ne coûte rien, ça vous donnez pas d'argent, et ça vous permet d'éviter de... Enfin, je sais pas. Il y a beaucoup de gens qui reviennent dans les statistiques, il y a énormément de gens, il y a plus de 100 000 personnes qui viennent souvent sur ma chaîne. Pourquoi j'ai que 17 000 personnes? C'est ça que je comprends pas. Mais bon, c'est pas très grave. On va monter. Et puis peut-être qu'après, ça va grimper plus. Hein, parce qu'au départ de ma chaîne, il y a eu un sacré boost. Quand j'ai fait 10 matchs, je suis monté très vite. Donc ça serait bien que là aussi, on y a une poussée pour qu'on monte encore plus, pour qu'on soit encore plus visible. Pour justement qu'à terme, c'est un truc que j'aimerais bien, c'est qu'un jour, je touche un gros paquet d'argent. Je monte une salle. Je monte une salle ici en France, enfin là, ici dans ma ville, ça serait cool. Et il faudrait un sacré paquet d'argent, il faudrait que je gagne au millionnaire. Donc si vous connaissez des gens qui gagnent beaucoup d'argent et qui veulent investir, n'hésitez pas, investissez dans une salle de spectacle ici et je vous promets que on va la rentabiliser cette salle avec tous vos qui vont venir. Je me démerderai comme je peux, mais il y aura des artistes qui vont venir. Non, franchement, quand je vois le gâchis qu'il y a de ne pas pouvoir aller dans ces pays les écouter parce que la barrière, enfin bref, on se retrouve demain, on en discutera lors des 18 000. Je vous aime vraiment très fort. Allez, à demain pour les deux prochaines.